Béatrice Glodon, à 28 ans, elle est l'aînée des candidats. Cette Foyalaise a un caractère hors du commun. Cette jeune femme atypique doit pourtant faire attention. À ce niveau de la compétition, sa volonté de réussir et son sens du spectacle ne pallieront peut-être pas certaines lacunes. Donc Mickaël, ton parcours, t'as un parcours atypique, t'as fait à l'époque, c'était un télécrochet. Hein. Ouais, j'ai fait Zoukamine, Future Star 1 en fait, et c'était un peu l'équivalent de la Star Academy là-bas, mais local. Et suite à ça, je suis sorti,
Je suis sorti troisième, oui, quatrième, quatrième troisième sur 150 il y avait au départ, donc c'est vraiment pas mal. Local, on a intégré l'école du Zouk après, on était à l'école du Zouk, on a fait l'école du Zouk, on était 7 sélectionnés, et sur les 7 sélectionnés, je suis sorti 3e, donc c'est pas mal, ce qui m'a permis après d'intégrer les deux plus grandes télés de Martinique, RFO et ATV, en tant que journaliste reporter d'images. C'est moi qui ai filmé la deuxième session parce que j'ai intégré la production en fait de Zoukamine. Donc après j'avais avec Justin Vautour, sous la tutelle de Justin Vautour, le directeur de Backstage, j'avais intégré la boîte et c'est moi qui filmais la deuxième session de Zoukamine. J'étais très fier de cette aventure et puis quand j'ai intégré mes deux télés, j'ai eu mon accident. 17 octobre 2005, je me dirige en direction du François, pour ceux qui connaissent en Martinique. J'arrive dans une intersection, il y a un camion sur la droite qui ne marque pas son stop. Il freine un mètre après le stop. Le mec du camion me fait signe de passer. Je passe devant le camion, la voiture qui est derrière ce camion s'empresse de doubler par la droite. Elle me coupe la route. Je rentre dans ce camion, dans cette voiture de plein fouet. J'arrive 15 mètres plus bas, j'ouvre les yeux, je vois une dame qui me regarde, qui me dit « Mais waouh, t'es en piteux état ». Là, je regarde à gauche, je vois plus mon bras, je regarde à droite, je vois mon bras complètement cassé. Quand j'essaie de me relever, je peux pas. Je suis complètement tourné, le corps complètement cassé. Je fais un mois de coma, 1 an et 9 mois en centre de rééducation. 2 ans d'hôpital en tout, 65 opérations chirurgicales. Mais ça m'a rendu beaucoup plus humble. Parce que j'avais une accélération, oui. Mais j'avais une accélération qui pouvait m'épuiser dans le temps. Là, c'est beaucoup plus posé et plus efficient. Parce que tu es dans ton fauteuil, tu vois les choses. Nous avons monté 7 entreprises en 3 ans. Quand vous comprenez cette chose-là, qui est la vie, quand vous comprenez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment la vie, vous arrivez à voir les choses différemment. Tout devient différent. Ce 17 octobre a tout changé. Avec ma moto, je me dirigeais vers le François. J'ai tapé une voiture à 130 km/h, 15 mètres plus bas. Je me retrouve amputé de bras gauche, une jambe droite. En fauteuil roulant à 90%, c'est pas drôle. C'est pas évident du tout de voir sa vie changer du jour au lendemain, effectivement. Je ne m'attendais pas à cette situation. Je ne m'attendais pas à une collision aussi importante. Après un mois de coma, 1 an et 9 mois de convalescence, donc rééducation, j'ai compris ce que c'était que de faire attention sur une route et qu'on n'avait qu'une seule chance. Ma vie n'est pas ce qu'elle était avant, elle est ce qu'elle est aujourd'hui et puis c'est d'avancer. Faut souffrir, faut même profiter.
pas passé génération qui l'a pour payer sa balle au 10. Nous venons chanter, si Camille c'est du star. Pour sa base au contrat, pour sa base au force là. Pour faire sorte vibrer, en cadence l'amour. En cadence l'amour, en cadence Jenou. Retour de l'homme qui ne sort jamais sans ses lunettes de soleil. Aujourd'hui, plus que jamais, je sais ce que le blasphème. Et j'ai compris une chose, c'est qu'on récolte pas toujours ce qu'on sème. J'ai compris l'ambition de ceux qui voudraient me fondre dans la masse pour m'étouffer. Mais ils oublient un petit détail, c'est que pour couler un brise-glace, il faut plus qu'un rocher. On vous l'avait promis, l'affaire Cyril Vautor, les vraies raisons d'une fausse polémique, ou si vous préférez, quand l'opinion publique dérape, c'est un sujet de Christophe Denise, un montage de Vianney Sautès. Voilà le refrain, pas compliqué et facile à chanter. Souvenez-vous, c'était presque le tube de décembre 2006. Et voilà le présentateur le plus médiatisé et le plus controversé du tout petit paysage audiovisuel martiniquais. Cyril Vautor, tout le monde en parle, nous sommes en décembre 2006 et c'est ici, à l'aéroport Aimé Césaire, que commence une polémique qui, durant plusieurs semaines, va décidément faire beaucoup de bruit. On rentre de suite dans le vif du sujet avec le tout premier candidat qui s'essuie, le seul garçon d'ailleurs, de cette toute première émission. C'est Cyril Sinélu. J'espère que j'écorche pas son nom de famille. Ne me racontez surtout pas que je vais en rire dans quelques mois. Quand tout est gris, tout n'est que cendre, tout brûle et se déchire en moi. À l'époque, ce n'était pas tout à fait la même dégaine. Lorsqu'à 16 ans, Cyril fait Zouk Amine Future Star, bien décidé à faire partie de l'école du Zouk version Jocelyn Vautor. Cyril, tes motivations pour participer à Zouk Amine Future Star? Donc, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs concours de chant, dans la valse, dans la mazurka, dans la biguine. Ah bon? Et à partir du concours Zouk Amine Future Star, j'ai voulu entrer dans un certain domaine qui est le Zouk. Le zouk, c'est quand même vite dit, parce que le zouk, c'est pas vraiment ton truc. Ton truc, c'est plutôt ça. S'il suffisait qu'on s'aime. Ou encore ça. Et si je m'en sors, semble encore. Life was beautiful. D'une école à un château, rien n'a vraiment changé. 4 ans avant, Cyril était déjà bourré de talent. Un gamin en or à la voix d'ange. Seulement à l'époque, très peu de personnes s'en étaient rendues compte. Non, je ne veux surtout pas entendre que ça ira, qu'il faut attendre. À regarder de plus près, il y a quand même un petit changement. Mais c'est surtout qu'en Martinique, depuis que le jeune garçon est à la Starac, ça se bouge, ça se mobilise. Octobre 2007, nous sommes dans les studios de la première radio de Lille et le mot d'ordre... Soutenir le Martiniquais qui est à la Star Academy. J'ai fait l'émission entre autres Zouk Amine Future Star où j'avais pas ma place. Certaines personnes comme Jocelyn Vautor m'ont peut-être montré que j'avais pas ma place.
Et voilà comment le producteur un peu grande gueule est devenu l'anti-Cyril. Une partie du public lui reproche d'avoir affirmé qu'il était impossible que le jeune... Le show business répond à des normes marketing. C'est pas compliqué. Cyril ne peut gagner la Star Academy que si Universal veut. Excusez-moi. Est-ce que Cyril répond à ces normes marketing, non. Justement? Il peut gagner par un élan de sympathie puis pour entrer dans des problèmes et dans des stratégies un petit peu politiques, un petit peu on va brouiller les cartes, mais ça répond à des chiffres. Normes marketing un peu compliquées pour certains, cela dit, Cyril a effectivement gagné grâce à l'énorme élan de sympathie du public et tout particulièrement des Martiniquais. Certains et beaucoup même portaient le t-shirt du comité de soutien. Cela lui a porté bonheur puisqu'il a réuni 69% des voix sur le prime. Normes marketing, business, un discours un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et pourtant, plaisir et business font bon ménage. Dans les médias locaux, Cyril fait la une de l'actualité à répétition. Faut dire que question audimat, c'est une valeur sûre. Cyril, le chanteur à la voix d'ange, c'est que du bonheur, mais c'est aussi du business. On a mis en place un jeu qui permet aux Martiniquais de jouer tout simplement en envoyant des SMS. Zoukamine Future Star, l'école du Zouk, l'émission produite par Jocelyn Vautor où on apprend de jeunes artistes à chanter des musiques du pays. Question, Cyril, y avait-il sa place? Deuxième, les votes du public en 2004 s'étaient plutôt portés sur Cindy. Au passage, l'artiste y avait même gagné quelques moqueries de mauvais goût d'une partie du public. Une expérience, semble-t-il, mal digérée. L'heure de vérité, mesdames et messieurs. Et le gagnant de la Star Academy 6 est... Et le gagnant de la Star Academy 6 est... Cyril Porteonu. Toute la Martinique fait la fête ce soir. Cyril. Venez avec moi Cyril, venez avec moi. Dans cette effervescence, c'est la première fois Pascal Nègre. C'est la première fois que nous avons une telle effervescence sur le plateau avec toute sa famille. C'est la première fois, Pascal Nègre. C'est la première fois que nous avons une telle effervescence sur le plateau avec toute sa famille. Cyril, portez au nu. Je vous ai toujours dit que si Cyril est arrivé là, n'oublions jamais ça, si Cyril est arrivé là, c'est qu'il a du talent. Oui. C'est-à-dire qu'on ne te fait pas arriver là si tu n'as pas de talent, pas plus Cyril que Dominique, ces gens-là ont du talent. Oh, j'ai un truc qui me revient dans la tête, je me rappelle un jour, Cyril il m'appelle, il était sur son portable, il m'appelle, il était dans une cabine téléphonique et on lui avait craché dessus, on lui envoyait des pierres. Donc c'est assez hallucinant ce qui lui arrive aujourd'hui. Et moi je sais que au-delà de tout ça, je crois qu'il est blindé. Et chaque fois que je l'ai vu au téléphone, quand il me dit ça, je lui dis, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'ils vont venir t'ouvrir la porte? T'as qu'à frapper. Je lui dis, moi, je lui disais, t'en fais pas, personne ne va t'ouvrir la porte. Personne ne va l'ouvrir. Par contre, ils vont laisser juste ça un jour. Quand tu vas passer, défonce-les. C'est un mec qui est un surdoué de naissance. Ce qui est sûr, c'est que durant 2 mois, Cyril a bénéficié d'une mobilisation extraordinaire, une forme de Cyril Mania, dans un climat passionnel, peu propice à l'analyse et à la critique. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, l'hypermédiatisation de l'événement, ici à l'aéroport, ici au marché ou encore là avec Césaire. Bref, une médiatisation hors norme dont l'intéressé est lui-même le premier surpris. Je réalise pas du tout. Je suis tellement content d'avoir eu le soutien des Martiniquais, d'avoir quand même 24% des votes. C'est énorme. Et puis le coup raté de Miss Dominique, cette grosse voix sensuelle et l'injustice au bout. Cyril, seul représentant dans cette finale des minorités dites visibles, tout cela est certainement à prendre en considération sans oublier le talent et la personnalité. Bref, c'est un peu l'histoire d'une fausse polémique qui a tout au moins le mérite de nous éclairer sur pas mal de nos paradoxes. En tout cas, Cyril, il était une voix, laquelle, à vous de choisir,
Moi, celle que je préfère, c'est celle-là. Et pour faire comme tout le monde, merci Cyril, tu nous auras en tout cas fait rêver. Premier juré, la prochaine saison de Zoukamine Future Star, Jocelyn Vautour fera chanter Jacques Brel ou Johnny Hallyday. Et comme dirait l'autre, la semaine prochaine, ce sera pire. Et Christophe, ton histoire de Brel, Johnny Hallyday, tout ça là, j'ai bien écouté ça chez moi, mais dans Zoukamine Future Star, jamais. Jamais. C'est combat, c'est force physique, c'est fist moral. C'est force. Pour la suite, j'avais rendez-vous avec Roland Larouché. Je le connaissais depuis toujours, mais on s'était surtout côtoyé en 91 sur le projet ATV, car il en était à l'origine. Roland est aujourd'hui à la tête de KMT, Canal Martinique Télévision. Il est ce que j'appelle, avec des mecs comme Camille Chauvet, une sorte de militant de l'information. J'aimais bien Roland. Mais sur l'affaire Cyril, je pense qu'il avait un peu pété les plombs. Il était peut-être passé à côté de son sujet. Enfin, comme disait une amie proche, c'était la fin d'un mythe. J'avais un rendez-vous avec Roland pour une interview un peu particulière. Ou si vous préférez, une interview à l'envers. Comment vas-tu, Roland? Ça va? Tu es toujours vivant après le léchage dont tu as été victime à propos de l'affaire Cyril. Comment tu fais? Ça peut faire rigolo aujourd'hui, mais à un moment, c'était pas simple. Pendant, en tout cas, pendant quelques heures, comme tu peux l'imaginer. Uh-huh. Comment tu as vécu ça? Je vais te dire un truc. Honnêtement, pendant quelques heures, j'étais très mal parce que j'ai pas compris ce qui arrivait. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Tu es là, tu as un rôle, une espèce de militant, tu vois. Tu fais des trucs avec des bouts de ficelle, tu sais très bien comme moi. Et on peut aller gagner notre vie ailleurs, tu vois. Mmh. On fait ça très bien. Et t'es là pour essayer de sortir, tu vois, de faire ta part du boulot, de ce que j'appelle ma contribution patriotique. Et tu te rends compte que, voilà, ce que j'aime à dire, on récolte pas toujours ce qu'on sème. Et c'était très dur. C'était très dur pendant un moment. Mais ce que j'ai retenu, en tout cas, de l'histoire, c'est que j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, j'ai vu se former autour de moi une espèce de cercle. De cercles de potes d'amis qui ont dit vous touchez à n'importe qui, mais vous touchez pas à Jocelyn Vautour. On avait l'impression que certaines personnes t'en voulaient à trois, comme s'ils avaient un compte à régler avec trois et qu'ils profitaient de cette histoire pour le régler. C'est l'impression que j'ai eue, quoi, je sais pas. Et c'est l'impression que j'ai eue aussi. Je te rassure tout de suite. Mm-hmm. Mais si tu veux, ça m'a. C'est pas ça qui m'a fait mal. Je m'en fous. Tu sais, nous, on est des guerriers, on est des combattants. Quand on monte sur le ring, c'est pour se battre. Ta capacité, c'est pas de donner des coups, c'est d'en prendre. Moi, je sais prendre des coups, j'en ai déjà pris, j'en prendrai certainement encore. C'est pas ça qui m'a fait mal. Ce qui m'a, à la limite, embêté, c'est quand le truc sort du cadre professionnel. Moi, je dis toujours aux gens, moi, j'ai fait du spectacle. Les gens ne savent pas. Moi, je passe une fois à la télé, qu'est-ce que je fais pendant le reste de l'année? Ils savent pas tout ce que je fais avec plein de gens. Et j'ai pas à leur dire. Ça qui savent, savent. Ça qui passe, pas savent. Là où je te dis que ça fait mal, c'est quand le truc sort. Tu vois, moi, je peux prendre des coups, mais mes enfants ne peuvent pas prendre les coups. Mmh. Et quand prof de gym d'une école qui est pas loin d'ici, plus la directrice de l'école, toi, moi, je dis, c'est pas cool. Parce que vous avez voulu régler un compte avec moi parce que vous n'aimez pas la gueule de Jocelyn Vautour. Mmh. Et vous réglez un compte avec mon fils jusqu'à aller téléphoner dans l'école dans laquelle il devait entrer cette année. Vous allez téléphoner pour dire que vous êtes en train de gérer un problème avec moi. Et je lui dis, c'est pas cool. C'est pas cool. Et ça, je peux pas l'oublier. Parce que régler des comptes avec moi, mais oublier mes enfants dans l'histoire. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Et cette bonne femme-là, j'espère qu'elle dort sur ses deux oreilles. Même les autres professeurs disaient, mais on comprend pas. Attends, excusez-moi, mon fils, c'est un des rares mecs qui allait à la chorale samedi après-midi. Je vais pas dire que c'est mieux que tout le monde. Mais tout ce qu'elle l'a fait subir, ça, je vais pas le digérer. Parce que je veux bien qu'on touche à plein de gens, mais je ne veux pas qu'on touche à mes enfants, je ne veux pas qu'on touche à ma famille. Parce que les coups, sincèrement, je vous dis aux gens, à la limite, ça me faisait plus rigoler qu'autre chose. Ça me faisait plus rigoler qu'autre chose. Et j'ai retenu de ça une espèce de force. Tu sais, je suis sorti de ça, mais je me suis dit, si je ne suis pas mort après ça, si je ne suis pas tombé, eh bien, les mecs, maintenant, vous avez vraiment du boulot.
Juste une dernière question, Jocelyn. Tu es quand même passé à côté d'un grand talent avec, avec ton concours, là. Tu as laissé glisser Cyril. Jamais de la vie. Mais jamais, Roland. Jamais on a laissé glisser Cyril. Cyril, pour vous le dire, c'est l'équipe de Dream Master et nous qui l'avons conseillé d'essayer des concours nationaux. Cyril, je le répète, Cyril, c'est un mec qui est pété de talent, gorgé de talent. La seule différence, c'est que Zoukamine, qui est un concours que j'aime à dire, qui est un palliatif à l'aliénation culturelle face à tout ce que te propose M6, TF1. Nous, il faut qu'on chante Léona Gabriel, le jeune Mona, Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Biroir. Et sur ce répertoire-là, Cyril n'était pas le meilleur. Cyril est un mec qui est pété de talent parce qu'il a été bercé. Le boulot de l'aliénation culturelle avait déjà commencé parce que lui, il a été bercé à coup de Céline Dion. Et lui, il s'identifie. Il est meilleur sur un répertoire national ou international. Mais sur un répertoire zouk, face à Cindy Faustin, Katia, Gladys et j'en passe des meilleurs, il avait du mal. Donc, à aucun moment, on est passé à côté du talent. Et je veux même te dire un truc, je crois que c'est le plus grand service qu'on lui ait rendu. Parce que s'il avait gagné Zoukamine Future Star, il n'aurait pas tenté une chance ailleurs. Il serait resté là en se disant, bon voilà, j'ai gagné comme d'autres personnes l'ont fait. Et je crois et je reste persuadé que c'est le plus grand service qu'on ait rendu à Cyril s'il n'a pas gagné Zoukamine. Et si c'est à refaire, je referai exactement la même chose. Bon, on va se conforter un petit peu, tu en as besoin quand même. Allez. Question, ce qu'on a. À plus tard. À plus tard. Ouais. Vous savez, quand on monte sur un ring, il faut savoir si on est prêt à se battre. Quand on veut se battre, il faut savoir si on est prêt à prendre des coups. Je le répéterai toujours, ça. Alors je vais laisser certaines personnes dans leur fantasme, dans leur règlement de compte, dans tout ce qu'ils veulent. Et je vais continuer à faire mon boulot. Maintenant, le débat est clos. Et puis, pour votre gouverne, Cyril, c'est vraiment un pote à moi. Et je l'ai au téléphone assez souvent. D'accord ? La suite des news, c'est toujours avec la voix de l'excellente Alexandra Arné. Le montage est de Destiny. Les images sont de Franck Gabriel en verre. À tout à l'heure. Merci, monsieur le producteur. Yeah, boy, j'ai toutes les vignes vedettes. J'ai tout compris vite à la facile. On y saute une nuit, passe à la télé. Et mes sous Camille, pas les baillots. Côté midi, en quelle est assez si douche et habillé. Petit café et puis tracé à un studio pour répéter. Des bodyguards qui est protégé. Pour la vie, moi, pas en danger. En paquet de photos en signe. Pour les fans club et pas fâché. Au restaurant, où est fin manger. Pour vrai styliste et manager. Ni en grand tourneur pour moi fait. Invité journal à la télé. Envie qu'on s'amouette. Et moi, c'est fait combler.
come. It's a dancehall business, you know. Me a go mash up the place now. Hear this. Nous les entrés à dans mouvement musical. Ça c'est pas pièce, bagaille banal, couchal. Black man quand la compite de tu combo. You want to move your body and watch me man. We wanna be like the best. You ready to test. You come in future star, we represent the west. Caribbean black massive, no play, no joke. We no drink, no smoke, we no sneak, no coke. In this Akikaji, nous c'est un bon timakou. Mais y'a qu'il n'y a pas de temps, y'a qu'il n'y a pas de temps. Mania vibration nous qui fait la changer pour. A l'aise à y'a qu'il y a mania nous qui mette chalet. Respect and condone constant, yeah. Constant, constant.